Bonjour à toutes et à tous. Donc le live commence. Merci beaucoup de nous rejoindre pour parler aujourd'hui de diplomatie féministe. Donc c'est un sujet qu'on a pu creuser avec six étudiantes que vous voyez à l'écran. Donc c'est en fait un projet de recherche qu'elles ont entrepris en partenariat avec l'ONG One, de laquelle je suis employée, pour en fait approfondir un peu le sujet de la diplomatie féministe en 2021. Qui est un concept très jeune, mais encore controversé et qui a fait l'objet encore de très peu de recherches. Donc, One, l'ONG, donc est une ONG de plaidoyer et de campagne qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables, particulièrement en Afrique, et qui se mobilise notamment sur l'aide publique au développement, genrée et la diplomatie féministe dans une certaine mesure. Et donc, aujourd'hui, nous faisons un partenariat avec six étudiantes de Sciences Po. Donc, Katel, Lucie, Carla, Ariane, Marine et Laura, qui étudient aussi bien les affaires publiques que les affaires étrangères, mais toujours avec une certaine focale genre et égalité femmes-hommes. Donc aujourd'hui, on va creuser un petit peu ce sujet. Donc, Katel, dans un premier temps, pourquoi se focaliser sur ce sujet de recherche aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui, en juillet 2021. Alors aujourd'hui, c'est un moment clé, étant donné que le Forum Génération Égalité se déroule à Paris, 25 ans après donc Pékin, et notre travail de recherche s'inscrit d'ailleurs dans la poursuite des deux objectifs du Forum Génération Égalité, à savoir d'une part dresser un bilan des avancées en matière d'égalité femmes-hommes depuis les engagements de Pékin de 95, et d'autre part de développer des stratégies communes à l'échelle mondiale pour atteindre rapidement l'égalité. Donc l'objectif de cette recherche, c'est d'identifier les différents éléments de diplomatie favorables à l'égalité femmes-hommes dans une sélection de pays qui participent au forum et de mettre en évidence certaines pratiques qui nous ont paru innovantes et prometteuses. Et enfin, notre objectif, c'est aussi de témoigner de la mobilisation des jeunes en faveur de l'égalité femmes-hommes en participant aujourd'hui aussi à notre échelle aux discussions et au renforcement d'une certaine manière d'une diplomatie plus inclusive. Merci beaucoup. Et donc, vous avez pu le dire, c'est un moment clé aujourd'hui, mais ce concept, en fait, n'a pas une définition partagée, collective, mais une question, du coup, nous brûle derrière. Qu'est-ce qu'une diplomatie féministe? En quoi, enfin, comment est-ce que l'égalité femmes-hommes peut être défendue dans la politique extérieure des États, ce qui est encore une nouveauté? Donc le concept de diplomatie féministe, il a émergé en 2014 lorsque la Suède est devenue le premier pays du monde à revendiquer une diplomatie féministe. Et ensuite, c'est un engagement pour l'égalité qui a été suivi par cinq autres pays seulement, dont la France fait partie. Donc on voit que c'est quand même encore un concept très marginal, récent et qui évolue constamment. Donc nous, on a analysé les diplomaties féministes de neuf pays, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Argentine, l'Espagne, les Maldives, le Mexique, le Rwanda, la Suède et la Tunisie. Qu'on a volontairement choisi comme étant répartis sur l'ensemble des continents pour assurer une forme de représentativité géographique, au-delà des cadres européens ou nord-américains qui sont habituellement plus étudiés. Et nos observations sur la diplomatie féministe, c'est deux tendances. Déjà une tendance plutôt par aire régionale que par niveau de développement, c'est-à-dire que la plupart des pays ayant déclaré des diplomaties féministes officielles se situent en Europe, et à l'inverse, les pays d'Asie de l'Est, qui sont pourtant assimilés au Nord économiquement, n'ont pas fait de l'égalité leur priorité affichée, d'ailleurs ne participent pas au forum à l'exception des Maldives. Et de même, l'Afrique, qui est pourtant plus discrète et moins mise à l'honneur, fait quand même offre de très bons exemples individuels, comme le Rwanda et l'Afrique du Sud, et aussi collectifs par le biais de l'Union africaine. D'ailleurs, la féminisation des corps diplomatiques en Afrique est souvent supérieure à la moyenne européenne. Et enfin, la deuxième tendance, donc, c'est une tendance par aire linguistique. Les pays hispanophones, par exemple, sont très avancés sur les questions de violence sexuelle, donc l'Argentine, l'Espagne, le Mexique, l'Uruguay. Et de leur côté, les pays anglo-saxons sont plutôt pionniers dans les études de genre et l'intersectionnalité, et on observe qu'ils ont plus mis en place une aide publique au développement sensible au genre, des politiques d'éducation des filles à l'étranger ou de la diplomatie sportive féministe, par exemple en Australie. Merci beaucoup. Donc c'est très intéressant. Est-ce que donc maintenant on va, je pense, un peu aller dans le vif du sujet. Donc en fait vous avez donc dressé le portrait, le panorama en fait de neuf pays. Donc l'Asie, comme vous avez pu le souligner, Katel est très absente en fait malheureusement, comme elle ne participe quasiment pas au Forum Génération Égalité. Mais autrement c'est un panel très très représentatif géographiquement. Et je me posais la question, en quoi le contexte national de ces pays
peut façonner en fait les différentes politiques de droits des femmes, dans quelle mesure le contexte en fait conditionne en fait l'ambition de la politique étrangère féministe. Lucie, je crois que vous avez travaillé sur la question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Alors, en effet, donc, dans nos 9 études de cas, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours presque un lien très clair entre ou les priorités nationales ou le contexte historique et après les orientations au niveau international pour la politique étrangère féministe. Donc, on va prendre 2 exemples, le Rwanda et l'Argentine. Donc, le Rwanda, c'est peut-être l'exemple le plus frappant, puisque après le génocide de 1994, le pays est totalement dépeuplé de ses hommes et 70% de la population sont des femmes. Donc, elles vont énormément participer à la reconstruction du pays et gagner de ce fait beaucoup de droits. Actuellement, il y a 64% de femmes au Parlement rwandais, ce qui en fait le Parlement le plus féminisé du monde. Et donc, le Rwanda est souvent pris en exemple pour la féminisation des instances législatives, exécutives, etc. Donc, par exemple, en 2014, le Rwanda a décidé de co-organiser et d'héberger la conférence internationale Women in Parliament. Et donc, c'était l'exemple mondial et ça leur a donné une légitimité donc, pour accueillir cet événement. Donc, c'est un premier exemple. Dans 2 autres domaines, le lien entre le contexte national et international est visible. Donc, par exemple, avec le sport, le Rwanda s'est aussi beaucoup servi du sport comme moyen de cohésion sociale, par exemple avec des équipes mixtes pour les jeunes filles ou tout-tutsi, ou des marathons nationaux, etc. Et à l'international, le Rwanda va tenter d'envoyer des délégations paritaires aux Jeux Olympiques et Jeux Olympiques de la jeunesse, essayer de financer à même avec le même moyen les délégations masculines et féminines, et organiser en 2017 avec le Comité des Jeux Olympiques une conférence pour inciter les pays d'Afrique et d'Asie à féminiser les rencontres sportives et à nommer davantage de femmes au Comité des Jeux Olympiques. Et enfin, donc un troisième thématique pour le Rwanda, c'est les technologies. C'est-à-dire que le Rwanda essaie de mettre en avant son avancée en Afrique technologique, féministe et environnementale. Et dans les technologies, par exemple, le pays abrite l'université africaine des mathématiques et a créé la compétition Miss Geek Rwanda. C'est une compétition annuelle pour favoriser les femmes qui sont bonnes dans l'informatique, le codage, etc. Et c'est d'ailleurs une compétition qui a été reprise par plusieurs des pays voisins. Donc, le Rwanda, pour le Forum Génération Égalité, a décidé de se porter champion de coalition pour la coalition sur les technologies et l'innovation. Et alors qu'en fait, il y a peu d'initiatives qui sont réellement pour promouvoir les femmes dans la technologie au niveau international, il se trouve que le Rwanda a en fait réussi régionalement à la fois et sur les femmes et sur la technologie. Et donc, cette coalition croise un petit peu deux domaines dans lesquels il excelle. Pour prendre un autre exemple, qui est donc en Amérique latine, le cas de l'Argentine, on voit que ça peut être aussi un succès qui est relatif et régional qui va après porter une diplomatie féministe. Donc, par exemple, l'Argentine a seulement dépénalisé l'avortement en décembre 2020, ce qui est très récent, mais c'était en fait le 4e pays d'Amérique latine à le faire. Donc, c'était en fait assez pionnier à l'échelle sous-continentale. Et donc, l'Argentine s'est portée championne de coalition pour la coalition sur le droit à disposer de son corps, de la santé et les droits sexuels et reproductifs. Et l'Argentine essaie de mettre en avant la défense des droits des femmes, notamment sur la violence, alors qu'il y a un féminicide tous les 37 heures en Argentine. Un autre domaine de la politique, on va dire, pro-égalité en Argentine, c'est sur l'environnement. L'Argentine est un pays dans lequel il y a le plus de taux de déforestation, un des pays dans lequel il y a le plus de taux de déforestation au monde, et ça affecte particulièrement, par exemple, les femmes autochtones. Mais face à ce constat, alors que c'est des mauvais résultats, on va dire, nationaux, le pays a décidé de défendre à l'international l'engagement des femmes pour le changement climatique. Et par exemple, depuis 2008, travaille avec l'ONU sur ces sujets et a essayé d'instaurer des instances dans lesquelles il y a au moins 30% de femmes dans chacune des comités, des réunions, etc., dans lesquelles les femmes discutent, dans lesquelles discutent de l'environnement. Donc voilà, donc ça, c'était 2 exemples sur... mais il y a aussi on peut voir que des changements historiques et politiques notamment peuvent influencer donc l'orientation au niveau de la politique extérieure féministe. C'est-à-dire que pour 3 pays, donc à savoir le Rwanda qui a connu un génocide, l'Afrique du Sud pour l'apartheid et l'Espagne avec la dictature franquiste,
En fait, le changement de régime a été un moyen, une opportunité de repenser l'égalité femmes-hommes et donc par extension la diplomatie extérieure après. Donc on voit que dans beaucoup d'exemples, les priorités ou le contexte historique national vont influencer les orientations de la politique extérieure féministe. Merci beaucoup, c'est très complet. Et donc à travers ces différents exemples, donc en fait là, de ce que je comprends, la diplomatie féministe est aussi une manière de porter une expertise nationale. Donc par exemple pour le Rwanda sur la représentation féminine au sein de son parlement. Mais je sais que c'est pas toujours le cas, que c'est pas toujours le fait d'un portage d'une expertise, mais que la diplomatie féministe peut aussi avoir un effet vitrine, un effet d'affichage en fait, face à une politique nationale qui est, elle, critiquée et décriée par les mouvements féministes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Carla? Je sais que c'est un sujet que vous avez étudié dans ce rapport. Oui, en effet, adopter une diplomatie féministe ou du moins promouvoir l'égalité femmes-hommes à l'international est quelque chose qui est bien vu par la communauté internationale et qui permet en plus d'être pris en modèle. Ça permet donc de masquer et d'atténuer la réalité des inégalités envers les femmes dans ces pays. C'est par exemple le cas au Mexique. Donc le Mexique est le premier pays non occidental qui a officiellement adopté une diplomatie féministe. C'est le pays co-organisateur avec la France du Forum Génération Égalité qui a lieu en ce moment. Et c'est un pays qui met en place beaucoup d'initiatives pour les droits des femmes dans sa région et dans le monde en général. Le Mexique est donc précurseur en termes de diplomatie féministe et se distingue particulièrement pour cela. En revanche, quand on regarde la situation intérieure des femmes dans le pays, c'est un tout autre constat. C'est l'un des pays les plus violents pour les femmes, avec près de 10 féminicides par jour. Dans le monde du travail, les hommes ont 88 fois plus de chances d'obtenir un poste à responsabilité que les femmes. Et au niveau des droits sexuels et reproductifs, l'avortement n'est autorisé qu'à Mexico et dans l'État d'Oaxaca et illégal dans le reste du pays. Et face à ces violences considérables, ces inégalités et discriminations, le gouvernement mexicain agit peu pour changer la situation et n'accorde que très peu de budget à ces questions. Et donc il y a un écart assez considérable entre ce que le Mexique prône à l'international et la manière dont il agit nationalement. Ce système à deux vitesses tient notamment au fait que rien n'existe pour contraindre les États à respecter leurs engagements. C'est à eux de faire preuve de bonne foi et de s'aligner sur ce qu'ils promeuvent auprès de la communauté internationale. Et c'est là l'une de nos recommandations qu'on a établies dans ce rapport, c'est qu'il apparaît primordial de créer un mécanisme de redevabilité pour s'assurer de la mise en place effective des déclarations des États au niveau de l'égalité femmes-hommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc vous avez bien souligné à quel point la diplomatie féministe en fait peut aussi tenir d'un écart en fait avec le contexte national et perdre du coup en légitimité. En fonction des pays, mais aussi des thématiques. Donc en parlant des thématiques, donc on peut voir donc en fait que la diplomatie féministe est indéniablement aussi un élément de soft power et un enjeu de réputation, un enjeu réputationnel des États. Mais je sais, et je pense qu'on pourra en reparler à la fin, comme Wan en fait a eu l'occasion de lire en exclusivité et d'accompagner le travail de recherche, je sais que l'une de vos grandes conclusions, c'est que la diplomatie féministe en fait élargit ses définitions et s'intéresse en fait à des domaines auxquels on ne penserait pas intuitivement. Donc pas seulement défendre les droits des femmes dans les forums internationaux, mais aussi par exemple féminiser jusqu'au corps diplomatique et militaire. Donc Ariane, est-ce que à votre tour, est-ce que vous pouvez nous dire en fait en quoi féminiser les corps diplomatiques et militaires est un enjeu de diplomatie féministe et comment on peut y parvenir? Oui, bien sûr. Alors la féminisation des instances diplomatiques, c'est évidemment, comme tu viens de le rappeler Mathilde, une des pierres angulaires de la diplomatie féministe. Et si la Suède envoie les délégations, excusez-moi, diplomatiques les plus paritaires du monde avec 48% de femmes, la féminisation des corps diplomatiques n'est pas uniquement l'apanage des pays du Nord. Pour vous donner quelques chiffres, en Afrique du Sud, 30% des ambassadeurs et hauts commissaires sont des femmes et le chiffre s'élève à 26% au Rwanda. En fait, on dispose de trois grilles de lecture pour mesurer la féminisation des corps diplomatiques. La première, ce sont les ministères des Affaires étrangères.
Les premières femmes ministres des Affaires étrangères sont européennes. Il s'agit notamment d'une Roumaine de 1947 à 1952. Et ces nominations sont plutôt ponctuelles, contrairement à certains pays d'Afrique, où la nomination d'une femme à la tête du ministère peut s'inscrire dans la durée. Et là, on a un exemple assez flagrant, qui est celui de l'Afrique du Sud, où depuis 1999, les ministres en poste sont des femmes. La deuxième clé de lecture, elle concerne la représentation des femmes auprès des organisations internationales, à des postes prestigieux, à savoir visibles et multilatéraux. Là, encore un exemple, on a le Rwanda, les Maldives et l'Afrique du Sud, qui sont représentées par des femmes à l'ONU. Cependant, dans les domaines perçus à cause des biais de genre comme techniques et masculins, et là vous voyez arriver la sécurité et la finance, les fonctions demeurent assurées par des hommes. Donc en termes de recommandations, il apparaît dès lors important de s'assurer de la nomination de davantage de femmes à ces postes stratégiques. On voit un premier progrès réalisé avec la nomination d'une Nigérienne à la tête de l'OMC, mais on a encore typiquement l'OTAN qui demeure un bastion masculin et où on pourrait imaginer des quotas de femmes au sein de l'organisation. Enfin, la troisième grille de lecture, donc le nombre d'ambassadrices à des postes clés, il s'agit ici de nommer des femmes aux ambassades des grandes puissances mondiales. Et des progrès ont été faits dans ce sens au sein de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Par exemple, le Royaume-Uni, le Rwanda et l'Afrique du Sud sont représentés par des femmes aux États-Unis. Et enfin, on a découvert que certains pays, et plus particulièrement l'Allemagne, conditionnent la participation de leurs ministres à des conférences ou événements ayant trait aux relations internationales à une présence de femmes minimale. Donc le quota s'élève à 40% en Allemagne, et donc ça constitue une de nos recommandations, s'assurer de la bonne participation des femmes à ces événements en tant qu'intervenantes ou modératrices, notamment en conditionnant l'intervention des États à des quotas. Concernant, donc, comme tu l'as mentionné Mathilde, l'inclusion des femmes dans les processus de sécurité et de prévention des conflits, on a évidemment le fait que la diplomatie féministe permet la promotion de la participation des femmes à ces processus, notamment en vertu de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a le cas du Rwanda qui nous a d'abord été évoqué par Lucie, donc qui est marqué par son histoire. Et donc en fait, ce pays a établi un recrutement de casques bleus sensibles au genre, notamment déployés au Soudan du Sud. On a aussi des actions qui sont affirmées au sein d'instances internationales. On peut penser à la mobilisation de l'Allemagne qui a énormément renforcé l'agenda femmes, paix et sécurité lorsqu'elle était au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Concernant l'inclusion des femmes dans les forces armées, les Maldives ont mis en œuvre un recrutement au poste à haute responsabilité, dont celui de leur ministère de la Défense, qui est pourvu par une femme. Enfin, au sein même des corps armés, on peut penser à la Suède et au Canada qui se sont fixés des objectifs chiffrés. Et pour la Suède, il s'agit de recruter un tiers de femmes d'ici 2025. Donc, parmi nos nombreuses recommandations, on peut en citer deux qui nous semblent particulièrement intéressantes. Le fait de dispenser des formations aux questions de genre au sein des corps armés et de garantir leur féminisation via des processus de recrutement sensibles au genre au sein même des armées, mais également aux postes à haute responsabilité. Merci beaucoup, Ariane. Et je pense qu'en effet, c'est un des éléments vraiment intéressants du rapport, c'est de se pencher sur cette féminisation et de voir que ce n'est pas seulement la quantité de femmes recrutées qui compte, mais aussi la qualité, la hiérarchie en fait, dans laquelle elles sont situées et le fait de les poster à des emplois stratégiques. Donc merci beaucoup pour ces éléments. Et donc réformer l'armée, réformer l'OTAN, donc on voit que le rapport s'attaque vraiment à des problèmes de fond. Mais en fait, un autre sujet en fait me vient à l'esprit, c'est, on parle quand même de plus en plus, et le Forum Génération Égalité le fait aussi, de la crise climatique qui sera vraiment le défi du XXIe siècle, et comment en fait la diplomatie féministe et la politique environnementale peuvent venir se renforcer. Donc Marine, comment concilier en fait diplomatie à la fois climatique et féministe, et quel lien existe-t-il entre ces deux volets? Oui, alors, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, la diplomatie féministe, donc, elle s'étend à des domaines vraiment de plus en plus variés, donc notamment l'environnement. Et c'est vrai que les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique. Donc, on peut évoquer rapidement trois raisons principales. La première, c'est que les femmes et les filles ont souvent une responsabilité supérieure lorsqu'il s'agit de s'occuper des enfants ou alors des personnes âgées, ce qui rend beaucoup plus difficile en fait le départ de leur foyer lorsqu'il y a une catastrophe naturelle.
Ensuite, les femmes, lorsqu'elles sont déplacées à cause des catastrophes climatiques, eh ben, elles font face à un risque de violence basé sur le genre beaucoup plus important. Et enfin, il y a beaucoup de normes, de barrières sociales et culturelles qui limitent considérablement la participation des femmes à l'élaboration donc, des différentes politiques environnementales. Et c'est à cause justement de tous ces obstacles qu'un nombre croissant de pays élaborent une diplomatie environnementale sensible au genre. Donc au cours de nos recherches, les Maldives sont apparues comme un pays pionnier qui s'explique notamment par le fait que l'archipel est vraiment menacé par la montée des eaux et le réchauffement climatique. Et donc, il œuvre vraiment en faveur d'une plus grande participation des femmes et des filles aux prises de décision sur le climat. Et les différentes actions qui sont menées par le pays permettent vraiment de mieux comprendre comment il est possible de concilier justement cette diplomatie climatique et féministe. Et au fil de nos recherches, on a identifié trois grands domaines d'intervention. Le premier, c'est le fait qu'il est très important de bien comprendre quels sont les différents impacts du réchauffement climatique, à la fois sur les hommes et sur les femmes. Et donc pour ça, c'est vraiment très important de collecter des données statistiques qui soient ventilées par sexe. Et c'est ce que font notamment les Maldives, puisque le pays est membre du programme de travail de Lima sur le genre, qui a été instauré en 2014, lors de la COP20. Et donc le pays s'engage à développer une littérature sensible au genre sur le réchauffement climatique et ses impacts. Et le pays organise aussi régulièrement des conférences pour partager l'état des savoirs et des pratiques sur le genre et le climat. Et donc en 2021, les Maldives ont organisé avec le Royaume-Uni un événement autour justement du financement du climat au service des femmes et des filles. Dans un second temps, il nous semble aussi vraiment important pour la diplomatie environnementale, d'élaborer des budgets sensibles au genre dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et à ce sujet, les Maldives vont vraiment orienter l'aide publique au développement qu'ils reçoivent en faveur à la fois donc, de la préservation de l'environnement et de l'égalité femmes-hommes. Donc, par exemple, le programme des Nations Unies pour le développement a élaboré depuis 2017 un plan d'action sensible au genre qui permet d'aider les communautés vulnérables des Maldives à gérer les pénuries d'eau qui vont être liées au réchauffement climatique. Donc c'était le deuxième point important pour nous. Et enfin, ce qui nous paraît important, c'est aussi d'instaurer des quotas au sein des délégations nationales pour vraiment permettre aux femmes et aux filles de la société civile de davantage participer à l'élaboration des conventions sur le climat, comme l'avait notamment évoqué Lucie avec l'exemple de l'Argentine. Donc finalement, en conclusion, on peut dire que face à l'urgence climatique, de plus en plus de pays en développement œuvrent en faveur d'une diplomatie qui soit à la fois environnementale et féministe. Et donc, cette initiative, elle doit être soutenue, bien sûr, par les pays plus riches, pour notamment à travers l'aide publique au développement. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est souvent un slogan des mouvements écoféministes, première affectée, première mobilisée. Donc, c'est vrai que ce sujet-là est vraiment plus actuel que jamais. Et donc la crise climatique, en effet, peut être abordée sous l'angle du genre, mais c'est aussi le cas de la crise sanitaire que nous vivons en ce moment. Et donc ce n'est pas sans rappeler la citation de, enfin la pensée de Simone de Beauvoir sur le fait que toute crise politique, économique, religieuse, et on peut rajouter sanitaire, peut suffire pour que les droits des femmes soient remis en question. Donc comment beaucoup d'observateurs, y compris ONU Femmes, ont pu remarquer en fait un net recul sur des avancées en fait sur les droits des femmes qui avaient été gagnées ces dernières décennies. Donc comment est-ce que la diplomatie féministe peut répondre à la crise sanitaire, comme ce n'est pas probablement pas la première que nous connaîtrons. Laura, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur le rapport entre diplomatie féministe et Covid-19? Oui, en effet, la pandémie, elle a un impact qui est disproportionné sur les femmes et les hommes, et finalement, elle met à mal des années d'acquis en matière d'avancement pour l'égalité, et cela s'observe particulièrement au niveau des violences faites aux femmes. C'est pour ça, en fait, que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a parlé de pandémie de l'ombre pour évoquer la recrudescence des violences intrafamiliales contre les femmes.
On peut également évoquer le fait que les femmes sont impactées matériellement particulièrement par cette crise, hein, parce qu'elles sont en effet surreprésentées dans l'économie informelle ainsi que dans le secteur tertiaire, qui sont des secteurs qui ont été davantage contraints par des mesures de fermeture. Et c'est vrai que cette précarité matérielle, elle a des conséquences sur leur accès aux soins, et on observe également que les femmes en période de pandémie, eh bien, elles sont sujettes à des entraves dans l'accès aux droits sexuels et à la santé reproductive. On peut notamment citer l'IVG. Donc la question est donc effectivement comment la diplomatie féministe, elle peut répondre à cette crise sanitaire. Et on peut effectivement distinguer quatre points majeurs. En premier lieu, la diplomatie féministe, elle doit rendre visible, communiquer sur les domaines dans lesquels les droits des femmes sont particulièrement mis en danger. Et à cet égard, il est intéressant de souligner l'initiative des Pays-Bas qui ont publié une déclaration pour réaffirmer l'importance des droits sexuels et reproductifs en période de pandémie. Et c'est une déclaration qui a bénéficié de la signature de près de 80 États. Ensuite, il est nécessaire que les États, eh bien, au travers de leur action extérieure, garantissent la sécurité matérielle des femmes, et des filles, notamment eh bien, grâce à l'aide publique au développement. Et c'est vrai qu'on observe à ce titre que plusieurs pays et instances internationales ont débloqué des crédits d'urgence d'aide humanitaire en période de pandémie. Je pense notamment à ONU Femmes qui est parvenue dans le Fonds de résilience des Nations Unies à ce que 30% des projets soient conditionnés à des actions qui sont sensibles au genre. On peut également penser à l'exemple du Canada qui a alloué près de 11 millions d'euros eh bien, au Fonds des Nations Unies pour la population pour permettre le financement de services de santé sexuelle et reproductive dans les pays en voie de développement. Un troisième point, c'est effectivement que la diplomatie féministe, elle permet l'inclusion des femmes aux instances de décision, comme dans les cellules, notamment dans les cellules de crise, les task forces qui ont été mises en place par les États. Et c'est là que ça pêche, effectivement, comme l'a montré ONU Femmes, eh bien, et vous pouvez le voir sur le graphique qui est sous vos yeux, c'est des statistiques qui ont été menées sur près de 87 États, et dans les cellules de crise, elles sont en moyenne composées seulement de 25% de femmes, donc on n'est pas au niveau de la parité. Et d'ailleurs, cette parité, elle est atteinte dans seulement 3,5% des cas. Donc on voit qu'il y a un vrai travail qui doit être effectué à ce niveau-là pour que les femmes elles soient incluses au processus chargé d'élaborer un monde post-crise. Et enfin, et je crois que c'est le corollaire de cette question de l'inclusion des femmes au processus des décisions, la diplomatie féministe, elle doit promouvoir des relances sensibles au genre. À ce titre, on note globalement des échecs, mais aussi certaines bonnes pratiques. Donc, à nouveau, selon ONU Femmes, seulement 10% des mesures économiques et fiscales qui ont été prises par les États eh bien, ont adopté une démarche sexo-spécifique. Et l'attitude de l'Union européenne à ce titre est assez éclairante. Vous le savez, un plan de relance européen dit facilité de relance et de résilience a été voté. Il est doté à hauteur de 750 milliards d'euros. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'Union européenne est assez avant-gardiste sur la question des droits des femmes. Pourtant, dans cette facilité de relance et de résilience, eh bien, aucune disposition sensible au genre n'ont été intégrée. On peut également mentionner le fait que cette facilité de relance et de résilience, eh bien, elle est conditionnée sur certains secteurs, notamment le numérique, qui sont des secteurs qui sont eh bien, majoritairement et traditionnellement dominés par les hommes. A contrario, et c'est ici une bonne pratique qu'il est important de souligner, en lien avec le réseau des femmes dirigeantes africaines, l'Union africaine eh bien, a, elle, élaboré des lignes directrices sur les réponses sexo-spécifiques à apporter aux conséquences de la pandémie. Donc, en conclusion, on voit vraiment que des événements soudains et d'ampleur peuvent complètement basculer la dynamique d'amélioration et remettre l'émancipation des femmes au second plan. C'est pourquoi l'égalité femmes-hommes, et c'est tout le point qu'on cherche à montrer dans ce rapport qui sera publié dès demain, c'est qu'elle doit être une priorité à l'agenda international dans la perspective d'un monde post-crise. Merci beaucoup. C'est vrai que prendre en compte en fait, les sensibilités, les vécus différents
des femmes et des filles essentielles en fait pour des plans de relance inclusifs. Donc on a vu beaucoup de choses et ce rapport qui sera mis en ligne sur le site de WEN dès demain permet vraiment d'approfondir un peu plus ces sujets. Mais c'est vrai qu'en fait on a pu dresser un panorama de la diplomatie féministe à la fois comme argument de soft power, comme mise en avant d'une force, d'une expertise nationale, ou alors comme effet d'affichage en fait pour des manquements justement dans ce même contexte national. Sur les enjeux de féminisation, de représentation des femmes, féminiser l'armée, la diplomatie, qui sont deux outils incontournables des diplomaties, mais aussi en fait comment répondre aux crises climatiques, aux crises sanitaires. Donc Katel, je reviens vers vous, pour tirer un peu des grandes conclusions. À votre avis, quelles seraient les grandes lignes en fait que vous avez observées au cours de vos recherches? Du coup, je pense qu'on est quand même beaucoup repassé sur ces grandes thèses qu'on a finalement auxquelles ont abouti nos recherches. Mais nos résultats principaux, c'est deux constats. Le premier, selon lequel les dynamiques régionales sont disparates et renversent quand même les clichés, et que les diplomaties féministes sont employées comme instrument de soft power. On l'a vu, donc le contexte national joue un rôle central dans l'orientation de la politique extérieure pour l'égalité. Pour tous les pays étudiés, la médiatisation d'une diplomatie féministe officielle ou la communication autour de la promotion de l'égalité constitue un élément de soft power sur la scène internationale pour accroître un rayonnement régional ou pour bénéficier d'une image positive. Et parfois, cette médiatisation est déconnectée des avancées réelles des droits des femmes sur le plan national. Mais cette utilisation ou cette instrumentalisation prouve aussi que de plus en plus d'États associent progrès social, économique et réputationnel à l'égalité femmes-hommes, ce qui contribue finalement quand même à l'établissement d'une norme internationale qui peut créer des effets d'attente et aussi exercer une pression sur les pays les plus réticents à promouvoir l'égalité. Et le second constat, c'est celui donc d'un élargissement thématique. La diplomatie dispose de plusieurs terrains pour promouvoir l'égalité. On a vu que certains sont plus consensuels que d'autres, l'environnement, le sport, la culture, un peu moins contraignants peut-être que les accords économiques, les accords de paix. Les portes d'entrée communément utilisées pour initier une diplomatie féministe restent quand même la communication et les plaidoyers, aussi l'aide publique au développement sensible au genre et la féminisation des corps diplomatiques. Mais on observe une progressive systématisation de l'inclusion de ces perspectives de genre dans les champs de la diplomatie, en environnement, sport, l'armée, les traités économiques, comme en témoigne d'ailleurs la diversité des coalitions d'action qui sont proposées aujourd'hui au Forum Génération Égalité. Malgré tout, on a quand même certaines limites qui ressortent de ce panorama. On a parlé au tout début de cette présentation des disparités d'engagement entre les aires géographiques, qui demeurent quand même significatives. L'autre point qui nous paraissait très limitant aussi, c'est que la promotion des droits et de la santé sexuelle et reproductive, ainsi que aussi la lutte contre les violences faites aux femmes, sont souvent des points qui sont très délaissés, parce qu'ils demandent aussi un engagement très particulier, une volonté politique, et on constate parfois un manque de cette volonté politique, aussi du fait des retours des conservatismes qu'on observe un peu partout. Et un autre défi futur pour nous, c'est aussi l'élargissement de la notion de diplomatie féministe à la notion de genre, qui ne serait pas restreinte aux femmes, mais aussi qui inclurait une certaine fluidité de genre avec les minorités sexuelles dans cette diplomatie féministe. Et enfin, dans la mesure où il n'existe aussi pas de consensus sur une définition et des standards de mesure d'une diplomatie féministe, on a observé qu'il est quand même plus facile du coup pour les États de mettre en avant une poignée d'initiatives dans plusieurs secteurs sans véritablement approfondir les questions prioritaires que sont l'égalité juridique, politique, sanitaire et économique des femmes et des hommes. Et donc, afin d'exercer une vraie diplomatie féministe, pour nous, il conviendrait que les États se concentrent aujourd'hui davantage sur les moyens financiers et économiques contraignants alloués à la promotion des droits des femmes. Donc, finalement, aujourd'hui, beaucoup de pays peuvent se targuer quand même d'avoir une diplomatie féministe parce qu'une multiplication d'actions de communication ou de plaidoyer pourrait le sous-entendre. Mais c'est ce à quoi on a été confrontés dans nos recherches. Il existe quand même un vrai manque de mesures et de bases de données et de suivi de l'application des engagements. Et c'est pour nous aujourd'hui la priorité pour atteindre, pour peut-être rendre plus féministe la diplomatie. Merci beaucoup, Katel. Donc, si je reprends un peu vos idées, selon vous, en fait, ce qui est le plus prégnant pour l'instant, en fait, et donc rappelons encore que ce concept date seulement de 2014, donc seulement de quelques années,
c'est qu'en fait, les formes les plus visibles sont pour l'instant à l'échelle du plaidoyer et de la communication, et pas forcément en fait de réalité sur le terrain. Est-ce que c'est l'idée que vous défendez, notamment ? Je pense que l'idée principale qu'on avait, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de communication là-dessus. Il y a quand même l'APD genrée avec les critères de l'OCDE qu'on n'a pas pu afficher là, mais qui en fait propose de stratifier les projets d'aide au développement des ONG de trois façons. Est-ce qu'ils ne contribuent pas du tout à l'égalité homme-femme ? Est-ce que l'égalité homme-femme serait un objectif significatif mais non principal ? Ou est-ce que ce serait un objectif, est-ce que l'égalité homme-femme est l'objectif principal du projet de développement ? Donc, il y a de plus en plus de pays qui ont mis des quotas. Est-ce que Mathilde, vous pourrez parler après d'un petit peu de l'action de One et de ce que la France est engagée à faire. Et donc ça reste quand même une action sur laquelle on est d'accord que c'est assez important. Après, c'est vrai que pour beaucoup de pays, c'est une mise en avant, une publicité, mais que c'est pas forcément suivi d'action. Et à l'inverse, ce qui est vrai, c'est que donc on rappelle 6 pays qui ont officiellement une diplomatie féministe. Il y a plein de pays qui n'ont pas officiellement une diplomatie féministe, mais qui commencent à mettre en place des plans d'action féministe, comme par exemple l'Allemagne et d'autres pays. On a cité par exemple en Afrique, le Rwanda ou l'Afrique du Sud, qui ont fait des mesures dans ce sens, sans que ce soit une orientation établie et publicitée. Par exemple, le Rwanda, qui a mis en place plusieurs bonnes pratiques, annoncé que son plan de politique extérieure jusqu'en 2022 serait un plan neutre en termes de genre et donc refuse le terme féminisme. Je ne sais pas si mes coéquipières veulent rajouter quelque chose. Donc, en tout cas, on constate quand même certains reculs. Merci beaucoup, Lucie. Et c'est vrai que si je peux ajouter là-dessus, si je peux compléter sur le travail qui a entrepris avec d'autres ONG, en fait, One, ces derniers mois, c'est en effet se pencher sur l'APD, donc l'aide publique au développement, l'argent que donne ou prête la France aux pays pauvres, et à sa qualité et à son ciblage envers les femmes et les filles. Et très récemment, en fait, hier, la France a pu émettre ses dernières délibérations sur une loi sur le développement et qui a consacré 75% de son aide qui va devoir prendre en compte les inégalités femmes-hommes sur le terrain. Et je pense que à notre avis, c'est vraiment un critère qui ne relève pas seulement de la communication et qui est un critère mesurable, concret, en fait, sur la mise en œuvre d'une diplomatie féministe qui doit s'accompagner plutôt d'une aide publique au développement féministe. Ces deux éléments vont vraiment de pair, je pense. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui nous regardent, à poster des questions dans le chat. On les lira avec attention. Je crois qu'il y en a déjà une sur l'exemple turc. Je ne sais pas, je crois que cet élément m'échappe, je ne sais plus si cet exemple a été traité dans le rapport. Mais je vous pose la question, c'est une certaine Charlotte qui nous demande si la Turquie sort aujourd'hui du traité européen sur les violences faites aux femmes, je crois que c'est le processus, le texte d'Istanbul, est-ce qu'on assiste justement à une diplomatie anti-féministe par contraste avec la diplomatie féministe ? Et est-ce que c'est un moyen d'influence à l'inverse sur la scène internationale aussi ? Je ne sais pas si l'une de vous... Oui, je pense que c'est assez juste. Ce qu'on voit aussi et ce qu'on a essayé de montrer dans le rapport, c'est que finalement, le terme féministe, au-delà d'être que des pays se déclarent anti-féministes, c'est qu'il n'est pas consensuel. Donc on a effectivement des pays qui mettent en place des bonnes pratiques qui sont bénéfiques pour l'égalité femmes-hommes, mais qui ne se donnent pas l'étiquette de féministe. Et en effet, on a plusieurs États qui se démarquent par leur position conservatrice et qui ont aussi cette ambition que leur position, notamment sur les questions de droits sexuels et reproductifs, porte au niveau international. Et ça se voit très bien aux Nations Unies, où on a finalement un groupement de pays qui était avant l'idée par les États-Unis. Donc les États-Unis s'est retiré de cette coalition de pays, mais effectivement, on peut penser à la Hongrie et à la Pologne qui ont des positions clairement conservatrices sur les questions de droits sexuels et reproductifs. Et c'est d'ailleurs ce qui est assez intéressant au sein de l'Union européenne. J'ai eu l'occasion de le dire dans ma partie.
l'Union européenne est vraiment à l'avant-garde sur les questions de droits des femmes et impulse beaucoup de législations, notamment ce qu'on appelle le gender mainstreaming, donc faire en sorte que le genre infuse dans l'ensemble des politiques publiques. Et pourtant, on a ces pays qui finalement se dissocient et tentent d'avoir une position différente. Donc il y a vraiment un décalage, pas seulement à travers le monde, mais au sein même de l'Union européenne, qui d'un point de vue général, peut se démarquer pour certaines avancées, une position élevée pour l'égalité femmes-hommes. Merci beaucoup. Et je pense que, mon point de vue personnel, c'est... par rapport à la question de cet invité, je pense aussi d'ailleurs que que ça fait l'objet d'une guerre idéologique, une guerre de communication, une guerre réputationnelle sur ce sujet-là. Et tout à fait, je pense que la réticence en fait à signer des traités, etc., peut relever aussi d'une stratégie en fait de politique étrangère et c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que ONU Femmes appelle d'ailleurs le pushback against the pushback. Et ça qualifie vraiment d'ailleurs cette montée des conservatismes et des populismes qui tendent à acter en fait plutôt un recul des droits des femmes. Donc merci beaucoup. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions dans l'audience, n'hésitez pas. Pardon. Aussi, donc toujours sur la question de Charlotte, j'avais un autre exemple en tête qui est celui de l'Arabie Saoudite. Avec Katel, on avait pu interroger une diplomate française qui me disait qu'en fait, il y a peut-être un double jeu de certains pays très conservateurs, notamment ceux du Golfe, qui en fait peuvent paraître donc extrêmement anti-féministes, en tout cas au niveau national, et qui en fait, les pays du Golfe ont envoyé énormément de diplomates féministes à haut niveau, notamment à l'ONU, auprès des partenaires européens pour justement essayer de s'adapter aux normes européennes. Ou par exemple, je crois que le Qatar dirige à l'ONU le groupe Gender Friend Group, quelque chose, et donc essaie de jouer un peu sur la mauvaise presse, enfin ils auraient une mauvaise presse nationale, mais essaient quand même à l'international, alors que ce n'est pas du tout communiqué, d'envoyer des femmes à haut niveau de responsabilité. Donc, effectivement, comme disait Mathilde, je pense que la Turquie, c'est une volonté particulière de s'imposer dans la région face à l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Et plus ils seront, on va dire, un peu contre le féminisme, plus ils auraient d'influence. Mais il y a aussi des États comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar qui jouent un peu un double jeu et vont flirter avec des normes européennes tout en ayant parfois des propos anti-féministes. C'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi le cas de certains pays... À l'Est, par exemple, je pense que la défense des droits des minorités sexuelles pour la Russie est aussi vraiment une manière de se positionner en fait, face aux puissances occidentales et de défendre en fait, une autre vision des choses. Merci beaucoup, en tout cas. Je vois qu'il y a une autre question qui nous est posée sur l'accès, la transparence, en fait. C'est sur la transparence et sur l'accès aux données. Donc, est-ce que les données sur la diplomatie féministe sont facilement accessibles? Et comment avez-vous fait? Est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver les données pour écrire ce rapport? Je laisserai le reste du groupe compléter, mais enfin, moi j'ai particulièrement traité l'Allemagne et l'Afrique du Sud, et c'est vrai qu'en fonction des pays, on a des sources qui sont complètement disparates. Par exemple, pour l'Allemagne, il y avait un rapport en ligne d'une cinquantaine de pages qui expliquait comment le pays... faisait attention à la politique étrangère qu'il déployait et comment il incluait justement cette notion, ce prisme de l'égalité femmes-hommes. Et ensuite, pour d'autres pays comme l'Afrique du Sud, il y avait énormément de communication officielle. On a eu l'occasion d'avoir une intervention à ce sujet dans ce webinaire. Et en fait, les communications officielles, il faut ensuite aller faire des recherches pour voir si elles sont réellement appliquées, si elles restent simplement des statements. Et donc, je pense qu'en fonction des pays, on a des sources qui sont tout à fait disparates. Et des dénominations aussi. On a eu aussi ce débat lorsqu'on a rédigé ce rapport. Parce qu'au début, on a commencé un peu naïvement à taper, à chercher des mots-clés diplomatie féministe. Ça peut être politique étrangère, incluant l'égalité. Enfin, on a des dénominations aussi qui varient beaucoup en fonction des pays. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, je pense que aussi c'est une de nos recommandations principales à la fin de cette recherche, c'est vraiment d'établir une base de données qui rassemblerait toutes ces données, que ce soit sur la féminisation des corps diplomatiques ou que ce soit aussi des données sur le suivi des engagements de chaque pays à l'échelle internationale, parce que c'est vraiment ce qui manque pour pouvoir réaliser cette comparaison et que ça soit véritablement engageant sur la scène diplomatique et pas seulement en fait passer de l'échelle de communication et de plaidoyer à un véritable engagement des pays sur la scène diplomatique. Merci beaucoup, et c'est vrai que ça fait vraiment le lien avec vos finalement les constats en fait de la fin de ce rapport.
donc sur en fait un besoin d'une meilleure transparence, d'un meilleur accès aux données, et en fait de centraliser un petit peu ce suivi en fait des engagements pour s'assurer qu'ils ne restent pas aux seuls états de promesses. Donc je pense que ça va vraiment de pair avec Katel, votre recommandation sur le mécanisme de suivi, la redevabilité et tout ce système. Et en parlant de redevabilité, Ouais, on va prendre le relais. Donc, il y a une question qui vient d'être posée sur le fait que les États qui ont déjà un bon bilan sur la diplomatie féministe sont les seuls qui ont été invités au Forum Génération Égalité, donc le FGE. C'est pas vraiment ce qu'on a montré. En fait, justement, nous, dans ce rapport, on s'est basé sur les pays qui participent au Forum Génération Égalité et on a voulu avoir... on a voulu couvrir un peu tous les continents et mettre en avant les bonnes pratiques de ces pays, mais on s'est rendu compte que ce ne sont pas que les pays qui ont un bon bilan qui ont été invités, au contraire. Et alors effectivement, il y a aussi des pays qui ont des mauvais bilans, qui n'ont pas été invités, mais c'était clairement pas le critère de sélection. Et justement, on a trouvé qu'il y avait une inclusion assez large des pays selon leur diplomatie féministe dans ce forum, ce qui a vraiment permis de mettre en avant des bonnes pratiques selon les pays. Oui, j'ajouterais, on peut prendre notamment l'exemple des Maldives, et c'est assez intéressant. C'est un pays qui est avant-gardiste sur la question de la diplomatie féministe environnementale. Toutefois, quand on regarde à l'échelle nationale, il y a encore de grosses lacunes sur la question des droits des femmes, notamment sur les violences faites aux femmes, sur la précarité des femmes, également sur la question des familles monoparentales qui se recoupent avec cette idée de la pauvreté, puisque les familles monoparentales aux Maldives, qui sont donc en très grande majorité dirigées par des femmes, ont un niveau de vie qui est bien moindre que le reste de la population. Donc on voit qu'à ce titre, le Maldives n'est pas nécessairement un exemple, et pourtant, et je trouve que c'est intéressant, il est présent au Forum Génération Égalité, et c'est particulièrement intéressant de le préciser, puisque c'est le seul pays de l'immense continent asiatique qui a décidé de participer. Et c'est aussi ça ce qui est intéressant, et c'est que finalement, c'est d'une part ONU-FEM qui a, en partenariat avec la France et le Mexique, validé les invitations, mais c'est aussi les États qui se sont portés champion de coalition. Donc on voit que il y a parfois certaines lacunes au niveau national, mais une vraie volonté des États de s'améliorer sur ces questions. Et comme on l'a vu, ça démontre parfois une certaine volonté de se positionner, de donner une image positive de son pays. Toute notre interrogation sur vraiment les effets d'affichage des États avec l'utilisation d'une diplomatie féministe. Sur ce que tu viens de dire, Laura, excuse-moi. Peut-être aussi que ce qui aurait été intéressant, c'est effectivement cette idée que les pays en fait se portent participants. Ensuite, ONU-FEM a validé ces invitations, mais cette idée de se porter volontaire sur une coalition d'action, ça a aussi créé un certain biais, puisque ce qu'on a essayé de montrer aussi dans notre rapport, c'est de relever les bonnes pratiques par pays. Donc effectivement, aucun pays n'a un bon bilan ou un parfait bilan, mais chacun ont des bonnes pratiques. Et le fait de se positionner volontairement sur une coalition, ça peut être aussi une volonté des États de mettre en valeur ces bonnes pratiques. Peut-être ce qui aurait été intéressant, à la limite, ça aurait été de sélectionner donc tous ces participants sur une base volontaire, mais de ne pas laisser forcément une liberté des pays de se positionner sur les coalitions pour peut-être mélanger les pratiques et mélanger les pays en fonction de, enfin, non pas de leur bonne volonté, mais peut-être d'une... juste de mélanger donc tous ces pays, ça peut être une idée. Et pour compléter, mais je pense que ça résoudra un petit peu ce qu'ont dit Laura et Katel, c'est vrai aussi qu'il n'y a pas une diplomatie féministe, mais en fait des diplomaties féministes qui s'incarnent. On a vu qu'il y a une multitude de thèmes, et encore une fois, on a des bilans contrastés qui s'affinent et qui se révèlent vraiment en fonction des thèmes. On l'a vu, l'inclusion des femmes dans les corps armés, les femmes, la réaction du gouvernement face à la crise sanitaire, les femmes et la question environnementale. Donc c'est vrai que voilà, on n'était pas dans un bilan bon pays, mauvais pays et une diplomatie féministe, mais plutôt un axe bonne pratique, potentiel axe de recommandation avec des suggestions de recommandations et des diplomaties féministes. Et pour rebondir sur ce que disait Laura par rapport au fait que les pays d'abord devaient remplir une candidature et donc eux-mêmes faire cette démarche, on a cherché en fait à savoir si l'ONU
ONIFEM avait publié des statistiques sur les pays qui s'étaient présentés et ceux qui avaient été retenus, donc on n'a pas trouvé. Donc CF, notre recommandation sur la transparence et plus de communication. Mais honnêtement, on pense que par exemple pour l'Asie, vu le nombre de pays et le peu de, avec un seul représentant, je pense que si d'autres pays s'étaient portés champions d'action, par exemple le Japon sur des choses sur le sport ou les technologies ou des choses comme ça, je pense qu'ils auraient été retenus. Donc il est possible qu'il y ait des pays qui aient juste totalement snobé ce forum et que ce soit pas en fait une faute de ONU Femmes d'avoir invité qu'un côté élitiste de ceux qui réussissent bien, mais en fait des pays qui n'ont pas été intéressés par cet événement. Merci beaucoup. Désolée, j'ai eu un petit problème technique, mais je suis de retour parmi vous. Mais oui, c'est vrai que la question se pose vraiment entre exemplarité, effet d'entraînement, mais aussi, je pense aussi, critères minimum en fait pour se targuer d'une diplomatie. C'est tout le sujet de votre rapport. Merci beaucoup. Et je pense juste que je me permets de parler en fait d'une campagne que One avait menée en 2019 pendant le G7, qui était présidée par la France. Et on avait mené toute une campagne qui s'appelait « Des progrès, pas des promesses », sur notamment le besoin de redevabilité en fait, des mouvements féministes et des femmes et des filles dans le monde entier. Et là-dessus, on proposait un mécanisme de redevabilité qui était notamment indépendant. Et je pense que lié en fait à ces questions en fait qu'on a vues, c'est essentiel que le suivi en fait ne relève pas seulement de l'auto-reporting des pays, mais fasse vraiment l'objet d'un suivi indépendant. Merci beaucoup. Donc je vois qu'il y a d'autres questions qui fusent dans le chat. Merci beaucoup d'être aussi active et actif. Alors, je ne sais pas si vous avez répondu à celle-ci, je ne pense pas. Vous avez parlé de la nomination des femmes à des postes clés. Est-ce qu'il faudrait, à votre avis, imposer des quotas pour que ça fonctionne plus rapidement? Bon, c'est une question assez tranchée. Et est-ce que les pays qui sont arrivés à une bonne répartition ont mis en œuvre de telles politiques? Si vous êtes ministre des Affaires étrangères demain, est-ce que vous mettez en œuvre des quotas dans ces corps de métier? Et est-ce que c'est une stratégie qui marche? Alors, par rapport aux quotas, en fait, nous, on a peu proposé des quotas sur les femmes. On a proposé donc des quotas sur la PD genrée, etc. Parce qu'en fait, les quotas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les quotas, ils vont surtout s'appliquer, en bas de la pyramide de la hiérarchie. Donc, on va prendre les corps diplomatiques en général et en fait, on va mettre des femmes attachées de presse dans des ambassades, des choses comme ça, ou conseillères économiques, etc., mais pas forcément des consuls, des représentatrices donc au poste clé, etc. Donc, ça peut être bien. Après, les quotas, en général, c'est dans ce qu'on a vu, c'était plutôt, donc ça va être des pays plus comme... on va dire européen pour le moment. Le Rwanda en avait mis et est en train d'atteindre avec 28% et en train d'aller vers les 30% qui sont imposés, qui sont dans toutes les instances, quelles qu'elles soient, du pays. Nous, ce qu'on recommandait, en fait, pour éviter que les quotas s'appliquent surtout, on va dire, aux tranches les plus basses de la hiérarchie, c'est de mettre des femmes à des postes vraiment clés. Donc, on se disait, par exemple, l'ONU, il y a 3 postes qui ont des intérêts différents. Donc, évidemment, il y a New York avec le Conseil de sécurité, mais il y a Genève avec les droits de l'homme, il y a aussi Vienne avec, par exemple, l'Agence de l'énergie atomique. Et donc, on disait sur ces 3 postes, pour les pays qui ont une diplomatie suffisamment importante pour avoir des représentants aux 3 postes, nommer au moins une femme, ça fait à peu près 30%. Donc, on recommandait aussi donc l'OTAN, l'OMC, mais il peut y avoir d'autres instances, l'OCDE, etc., pour... des pays, selon après, ça dépend dans quelle agence ils sont membres, mais par exemple aussi pour l'Afrique, il y a, outre l'Union africaine, il y a tous les comités, les organisations sous-régionales. Donc, on proposait en fait plus de cibler et de répartir les postes clés. Par exemple, ce que fait le Royaume-Uni, c'est que les 6 postes les plus importants actuellement, alors qu'ils sont sous un gouvernement plutôt conservateur, sont pour des femmes. Donc, il y a les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Allemagne, la France. Et j'ai oublié le dernier. Mais donc, on peut, par exemple, faire une liste. Ça peut être des pays voisins, des diplomaties extrêmement importantes comme États-Unis, Russie, Chine. Ça peut être des postes donc à l'ONU, comme on l'a dit. Et essayer de mettre quelques femmes clés au moins à ces postes. En plus, après, de mettre des quotas peut-être pour les corps diplomatiques généraux. Mais il faut vraiment faire cette distinction, je pense. Oui, et puis pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Lucie, elle expliquait que les quotas ne permettent pas toujours aux femmes d'accéder à la hiérarchie, en tout cas au poste au sein du ministère des Affaires étrangères.
Et effectivement, par exemple, en Espagne, il y a des politiques de quotas dans le ministère des Affaires étrangères et pourtant, les femmes représentent seulement 27% du corps diplomatique et 20% des ambassadrices. Donc, il y a vraiment un travail aussi à faire sur la mise en valeur des femmes à des postes à haute responsabilité. Après, voilà, comme l'a dit Lucie, on ne pense pas forcément aux quotas pour des nominations ou pour avoir des certains pourcentages, mais l'une des seules recommandations qu'on propose vraiment d'instaurer des quotas. Ça s'est basé sur le mécanisme qu'applique l'Allemagne. Je ne vais pas refaire ma partie, mais c'est vraiment l'idée de, voilà, si à des événements internationaux, on n'a aucune femme qui participe en tant que modératrice ou en tant qu'intervenante, on voit mal comment on peut changer aussi les mentalités et comment on peut changer aussi la représentation des femmes au sein des relations internationales. Et comment ensuite, même sur les jeunes générations, les étudiants pourraient se projeter à un tel niveau de poste ou dans certains domaines comme la sécurité, la finance, soit des postes à responsabilité. Et c'est là où on se dit que pour faire changer toute cette notion de représentation des femmes dans les politiques étrangères, ça peut être intéressant de conditionner justement la participation d'États, de ministères, d'organisations, d'associations, d'intervenants à un certain pourcentage de femmes qui modèrent ou participent aux débats ou sont invitées justement à ces événements publics. Merci beaucoup. Pour finir, j'ajouterais sur la prise de parole de Ariane, ce qu'elle évoque effectivement, le fait que les femmes, que notamment des événements internationaux ne puissent se tenir s'il n'y a pas des femmes parmi l'audience ou les participants. C'est tout l'objet d'un mouvement qui s'appelle Jamais sans elles, qui est parti de France. Et effectivement, l'idée, c'est que lorsque se tient une conférence internationale, si les femmes ne sont pas conviées, eh bien, l'événement diplomatique n'a pas lieu. Et c'est intéressant de voir que c'est un mouvement qui infuse au-delà des frontières françaises et qui prend également en Allemagne. Merci beaucoup. C'est vrai que je pense que c'est un élément incontournable d'avoir des politiques pour les femmes, c'est des politiques aussi par les femmes. Merci beaucoup. Autour des liens entre diplomatie féministe et autres sujets de diplomatie internationale, c'est vrai qu'on a parlé de la diplomatie climatique et du développement. Est-ce que vous voyez d'autres sujets C'est vrai que j'ai remarqué aussi cette question dans le chat, elle est très intéressante. De venir, mais dans notre rapport. Allez-y, Katel. Ok, excuse-moi Mathilde si j'ai été coupée, mais du coup, donc on a eu aussi l'occasion d'aborder d'autres sujets que sont notamment l'éducation et la culture, entre autres, et le sport. Je sais que par exemple pour la Tunisie, les opérations de coopération culturelle entre la France et la Tunisie sont très importantes, et c'est un élément dans lequel la France qui prône donc une diplomatie féministe, donc aussi laisse infuser ce vocabulaire de la diplomatie féministe dans ces accords de coopération culturelle, autour des bourses d'études, autour des programmes de coopération scolaire, ce genre de choses. Donc c'est aussi l'éducation, la culture, beaucoup des domaines dans lesquels on voit se diffuser de plus en plus le vocabulaire de la diplomatie féministe et des engagements à ce sujet aussi. Pour prendre un autre exemple, on avait aussi le cas de l'Allemagne, qui établissait les liens de, comme vient de dire Katel, toujours dans le domaine de la coopération culturelle avec l'Irak et l'Iran. Donc, il y avait des ateliers culturels pour un peu avoir un échange de culture. Et aussi, on peut penser à tout ce qui est sanitaire. C'est vrai qu'on a parlé de la réponse à la crise de la Covid, mais on a aussi, avec l'OMS, tout ce qui est droits sexuels et reproductifs. On a des partenariats qui ont lieu entre les pays, des mouvements qui sont faits. Par exemple, pour le cas, je sais que Unifem est intervenue en Afrique du Sud parce que les femmes sont particulièrement touchées par le sida. Elles sont une population à risque, elles ont un problème d'accès justement aux droits sexuels et reproductifs. Donc, c'est un autre exemple de solidarité internationale, mais là, sur le thème davantage de la santé. Et en termes de solidarité internationale, on peut aussi parler des processus de paix, parce qu'il a été prouvé que lorsque les femmes sont bien intégrées dans les processus de paix et qu'elles y sont intégrées, les processus de paix qui sont établis sont beaucoup plus pérennes et donc fonctionnent mieux. Et donc c'est un véritable enjeu de la diplomatie féministe, de mieux intégrer les femmes dans les processus de paix et de sortie de guerre, qui peut être souligné. Merci beaucoup. Je peux ajouter, dans notre rapport, justement, on a évoqué l'exemple de la Colombie,
puisque justement, c'est un pays qui est un modèle aujourd'hui, puisqu'il a vraiment essayé d'intégrer davantage de femmes dans la négociation du processus de paix, à la fois du côté des FARC, mais aussi des négociations du gouvernement. Merci beaucoup pour tous ces exemples. Donc, on a donc politique d'éducation, sanitaire, diplomatie vaccinale et résolution de conflits. Je pense que c'est en effet d'autres domaines dans lesquels la diplomatie féministe est tout aussi pertinente. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci pour vos questions. Et surtout, merci aux six étudiantes d'avoir fourni ce travail de fond que vous pourrez retrouver donc en ligne et avec toutes les recommandations donc sur la transparence, la collecte de données et comment faire des diplomaties de nos pays, des réels outils féministes. Merci encore et à très bientôt.